Salut Jésus, oh Nyanye Jésus, il est mon papa, oh yo. Salut là je suis, oh Jésus, il est le grand roi, oh Jésus. Salut Jésus, oh Jésus, il est le grand roi, oh Jésus. Quand tu veux, tiens moi. Hey, on va les mettre, tu laisses ton micro ouvert. Eh ben, Jésus, sans toi je suis rien. En ma malade. J'aime chanter en langue. Que Dieu vous bénisse. Handicapé, je ne suis pas obligé de bannir, mais c'est tout à l'heure. Bravo. On applaudit encore, monsieur Kona Jean-Baptiste. Le panier à sa place, on applaudit jusqu'à ce qu'il s'assied. Mon frère Kona, c'est parce que tu n'as pas senti la joie que tu as procurée à tout le monde ici pendant que tu chantais, il y avait un balai derrière toi.
On l'applaudit encore. Conan Jean-Baptiste. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. C'est ce qu'il a chanté. Nous allons donc inviter. Vous savez, ici au campus, il y a plusieurs mouvements. Il y a le mouvement des malvoyants, il y a le mouvement des handicapés moteurs. La première fois que nous sommes entrés sur le campus, c'est par eux que nous sommes arrivés ici. Je suis venu avec Ancien Foura. Il est là, Ancien Foura. Je t'ai dit, il faut venir sous le soleil glorieux. Tu es resté dans l'ombre glorieuse. Viens sous le soleil glorieux. Ici, on brûle les calories et puis on est toujours frais. Voilà. Et pendant que nous y étions, nous avons fait la connaissance de Baya César. Et aujourd'hui, il a dit que c'est vrai que nous avons été invités par leurs amis du Mesamsi, mais lui, il voudrait venir donner sa touche à cette fête-là. Il a tenu à être présent. Nous allons, sous vos acclamations, sous vos applaudissements, recevoir Baya César. Baya César. Baya César. Baya César. Il va juste rapidement voir la technique. Donc je vais demander en même temps à celui qui va se... Yann est là. Yann est là. Yann Roja. Yann Rover. Est-ce que tu as déjà vu la technique ou ton son? Le PCO, c'est ça. Bon, voilà, ici tout est organisé. Donc, le PCO. Émile, il est où? C'est là, c'est propre? D'accord. Donc, il faut caler en même temps le son de Yann, alors que Baya est là. Je vais donner le micro à Baya. Bonsoir, Baya. Bonsoir. Est-ce que le public est là? Est-ce que le nom du Seigneur peut être béni avec vous? Est-ce qu'on peut s'acclamer? Ce chant que je vais donner, c'est un chant particulier parce que je l'ai fait avec un frère du Mesamsi, c'est Peniel Daya. Ce chant parle du mariage. Voilà, c'est pourquoi je l'ai choisi, puisque le Mesamsi et le Jepsi sont des frères. Est-ce qu'on peut vraiment s'acclamer? Donc on va faire... Alléluia, 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 mon Dieu ne m'a pas oublié. Alléluia, que personne ne unisse ce que Dieu a uni par le lien du mariage. Merci. C'est son nom qui nous réunit, hommes et femmes nous sont faits à son image, que tout le monde se réjouisse, si nous sommes rendus dignes d'un tel message. Ce n'est pas de justice, ce n'est pas d'un sage. Alléluia. Au revoir, Didier. Tout le monde comme ça. Gloire à Christ levé, le souper de la science. Alléluia, alléluia, mon Dieu ne m'a pas oublié. Je serai pour toi l'aide, tu seras pour moi un guide.
le frère Bayard. Alléluia. Il a chanté le mariage. Je sais que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles ici se sont senties dans le mariage. Elles ont commencé à chanter très fort parce qu'elles voudraient, elles aussi, passer par ce moment-là, le mariage. Merci beaucoup. On va applaudir une fois encore Bayard César. Yann Rover. Vous voyez comment le nom sonne américain? Yann Rover. Et je le dis comme je dois le dire, Yann Rover. Je donne 2 minutes à la technique de mettre tout en place parce que le PCO est là-bas. Pendant que Yann Rover se prépare, je vois encore le grand junior qui est dans les mouvements. C'est lui qui gère tout ici. C'est l'homme de main du président. Si vous êtes prêts là-bas, vous me dites pour que je fasse signe à Yann Rover de me rejoindre ce matin, ici maintenant. Ce matin, il est avec nous à Bethel. Il a apprécié le temps qu'il a passé là-bas. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois qu'il passe là-bas. Yann Rover, tu seras encore avec nous une fois encore à Bethel, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, Dieu le veut toujours. La place que tu as occupée ce matin, on va la réserver pour ton prochain passage. Chaque fois que tu viendras, tu seras assis à la même place. Je profite de l'occasion pour dire aussi à Bayard César et à Conan Jean-Baptiste que nous ne sommes pas loin d'ici, nous sommes à quelques mètres d'ici. Lorsque vous descendez la colline et que vous la reprenez, nous sommes juste, après avoir fait quelques efforts, vous entrez dans l'oasis de paix. Coffre Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Et chaque fois que vous aurez envie de retrouver vos frères qui sont ici, venez. Nous sommes là tous les mercredis. À partir de 18h30. Nous sommes là tous les vendredis à partir de 18h30. Mais nous sommes là les samedis à partir de 8h45. Et nous passons de très beaux moments là-bas. Et nous serons toujours heureux de vous avoir avec nous. Venez quand vous voulez. Même si vous voulez venir le samedi prochain, nous serons contents de vous recevoir. Venez et vous retrouverez vos frères, vos sœurs là-bas qui seront heureux de vous avoir avec eux. Technique, vous êtes prêts? Pour Yann Rover? Vous êtes prêts? Yann Rover, non, vous n'êtes pas encore prêt, dépêchez-vous. Emilio, les deux Émiles, réglez rapidement le son de Yann Rover pour que Yann Rover nous donne sa prestation. Pendant ce temps, j'espère que la troupe théâtrale est déjà en place. Et il connaît Youssouf. Il ne connaît pas Yann Rover. C'est lui qui est au milieu là. C'est Youssouf, voilà. C'est son nom. Quand il venait, il était Youssouf. Mais maintenant, il devient Yann Rover. Voilà. Oui, il y a beaucoup de micros. Il y a beaucoup de micros. Vous dites souvent d'ouvrir. Vous serez deux, c'est ça? Il avait qui? Yann Rover et puis? Non, mais toi, c'est qui? Kevin. Yeah. On ne dit plus, parce que quand on dit Yann Rover, on ne dit plus Kevin, on dit Kevin. Yeah. Donc s'il y a Yann Rover, c'est qu'il y a Kevin à côté. D'accord? Et donc, j'attends son nom qu'on me dise que c'est OK au niveau de la technique pour que je lance. Donc, j'espère que la troupe théâtrale... Président, la troupe théâtrale est prête? Président Boussin, est-ce que la troupe est prête? D'accord, on me dit que Kwaku Marlène n'a pas encore fini d'habiller tout le monde. Elle va nous rejoindre tout à l'heure. Mais elle aura le temps d'arriver à temps. Parce que le temps que la grande chorale de Bethel nous offre 3 chants, je suis sûr qu'elle sera déjà là. Et donc le temps va jouer pour elle et qu'au moment opportun, nous aurons tout en place. C'est bon? Tout est prêt? Kevin et Yann Rover, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Yann et Kevin, venez vers moi. Voilà. Et on en applaudit, hein, mais ça, il semble que c'est bien. Comment t'as pour le son, s'il vous plaît? Hey, ta personne derrière toi, juste pas là-bas qui te regarde. Ah, voilà, la cible.
situation ici-bas. Et la personne derrière toi, juste ta voix qui te regarde. Papa, quand voilà la situation ici-bas. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, papa Lacan, il répond rapidement. Il change beaucoup d'hommes. Je n'ai pas loin. Qui sait s'il est proche dans ton cœur. Appelle-le, invoque-le. Et tu verras maintenant. Aïe, quand il se goûte, enlevez taille. Enlevez taille. Quand il se goûte, quand il se goûte, enlevez taille. Quand il se goûte, enlevez taille. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Derrière toi, juste ta foi qui te garde. À part la grande voilà, la situation ici parle. La personne derrière toi, juste ta foi qui te garde. À part la grande voilà, la situation ici parle. Quand j'ai la peine, il me répond. Quand j'ai la peine, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il me répond. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il me répond présent. Quand je l'appelle, il répond. Quand je l'appelle, il répond présent. Quand j'appelle Dieu, il répond toujours présent. Merci beaucoup, Yann. On applaudit à toi, Yann. Wow. Il nous avait dit que nous serons supplis agréablement et sincèrement, moi je suis supplis agréablement. Si vous êtes supplis comme moi, on les applaudit une fois encore. Tous sont doués et tous sont précieux aux yeux de Dieu. En tout cas, vous nous démontrez que vraiment, vous êtes tous doués et vous êtes tous importants aux yeux de Dieu. Alors que Yann nous a introduit dans un genre de rap, nous allons continuer avec un slam, un slameur. Nous allons continuer avec un slameur. Il m'a dit qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec son manager. Nous allons demander donc à Excel de me rejoindre ici avec son manager. On les applaudit s'il vous plaît. On les applaudit. Venez vers votre droite, vers votre droite ici. Non ici, non ici, pardon. À gauche, voilà, bon, dès que je prends ma droite, ma gauche. Voilà. On les applaudit s'il vous plaît. D'accord. Avant de donner le micro à Excel, je vais permettre à son manager confirmé, de pouvoir prendre le micro à manager. Voilà. Nous écoutons manager d'abord. Manager, on vous écoute. Bonsoir, madame et messieurs, bonsoir. Bonsoir, manager. Moi, je suis Oubani Papou Alezon, dit virus. Manager confirmé. Je suis allé avec mon artiste préféré, Excel Slam. Nous sommes là pour mettre du feu, du paquet, c'est tout. Dans une demain, Excel. C'est du bruit. Nous avons un cadeau, mais. D'accord. Comment vous vous amusez? C'est quoi ça? Ouais. Oh, mais c'est un aïe. Est-ce que ça va? Bonsoir, Excel. Je ne suis pas un slameur. Je me sers plutôt dans le slam à travers les lettres pour passer ma lettre.
parmi tous les êtres vivants de la terre entière, afin que mon langage ne soit perçu comme un message qui erre dans l'air, gage de toute déroute. Mesdames, mesdemoiselles, les yeux, messieurs, malgré mes revers, bien que tout allait de travers, je persévère. Dans mes rêves, plongé dans un monde de nécessité, fondé sur des règles de base, un monde où tout est noir. Je me demande parfois, quel est donc alors ce monde illusoire? Un monde où on enseigne toujours l'espoir. Un monde où on enterre dans une terre ferme le désespoir. Un monde où pour accéder à la gloire, faut forcément passer par le recrutement dérogatoire. Mon père me disait que la terre est pleine de mystères, que personne ne peut cerner ses facettes. Il me disait également que je ne suis pas né au hasard, je suis né pour réussir. Quelles que soient les difficultés, je finirai par y arriver. Les obstacles, c'est inévitable, je ferai mon possible pour être respectable à la table des responsables, capable d'être à la page des sages, sachant discerner les messages que Dieu sage. J'ai la foi, l'assurance et la hargne de réussir, et cette hargne vole, survole et se révolte contre ce qu'ils disent. Il est incapable. Non, non, je suis capable de surmonter toutes les difficultés tracées sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma destinée. Excelle Slam. On applaudit. On applaudit. Mon frère Excel, moi je peux te dire que tu es excellent. Et je peux t'assurer que l'espoir dont tu parles, Jésus peut te l'accorder sans soucier. Espère toujours en lui, et Jésus t'accordera l'espoir que tu recherches. Merci beaucoup, Excel. On applaudit encore, Excel. Vous vous imaginez maintenant notre joie quand nous venons chaque fois leur dire bonsoir. Vous voyez combien de fois on passe du bon temps avec eux. Ce sont des personnes douées. Ils ont du talent. Et vous n'avez rien vu encore. Quand vous allez voir la troupe dirigée par Kwaku Marlène prendre position ici, vous n'aurez que vos yeux pour apprécier ce que Dieu peut donner comme talent à des personnes merveilleuses comme elle. Kwaku Marlène, si tu es prête, on m'a dit qu'elle est là. Oui, elle est là, elle est en train de venir. Kwaku Marlène arrive. Maman Kadio, il faut l'accompagner. Voilà. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Elle est belle. Elle est Marlène. Elle marche comme une charmante demoiselle, comme elle est d'ailleurs. Regardez son sourire. Et alors que ses camarades lui disent « Hey, derrière, elles arrivent toutes !» Merci beaucoup. Elles viennent. Oui, les camarades, les sœurs de Marlène, les toutes belles. Voilà, regardez-les. Waouh, c'est bon, arrêtez-vous là. Elle ne voit pas, Jamie. Ah, il y a un garçon parmi eux. Oui, grâce à lui, on va dire ils sont là. Donc on va applaudir la troupe. Je ne sais pas quel espace vous occupez pour faire la troupe. Vous allez un peu derrière, vous restez devant. Vous avez besoin d'espace. Attention. C'est bon là. D'accord, voici les micros. On peut ouvrir tous les micros pour nous. Test. Venez devant moi ici. C'est pas mieux ici. C'est mieux devant ici. Vous restez. Vous allez quitter là-bas pour venir. Ah d'accord. Ok, ça va chauffer. On applaudit la troupe, s'il vous plaît. Ah,
Mais c'est de maintenant là, mais c'est pas la peine. José. Oui, maman. Il fait jour, c'est pas qu'on va prier. Maman, je suis fatiguée. Tu as fait quoi? Pas bien dormi. Parce que tu faisais quoi? Maman n'a qu'à prier d'abord. Comment ça? Ah, mais c'est toi qui dis de prier, donc commence, on prie. Faut chanter la voix, comme si c'est quoi? Je chante quoi? Faut pas m'énerver. Quand on est content, on applaudit les gars. On n'est pas subjugué. Quelle chose à faire? Maman, je ne sais pas ce qu'il y a chez vous. Je vais te frapper. Aujourd'hui, tu ne vas pas me chier. Gloire. Gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour nous avoir donné le souffle de vie. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Seigneur, nous te disons merci, toujours merci. Guide-nous, protège-nous durant toute cette journée. Merci, merci Seigneur. Maman, quand tu fais quelque chose rapidement, je vais choper la nourriture. D'accord, même brosser, le lit. Toi, tu n'es pas brossé. Hein, le souffle. On a fini de prier, José. Oui. José, Dieu l'a fait.
suis rentrée dans la cuisine. Mon problème, c'est ça, j'aime tout manger. Toi qui m'emmènes. Je rentre dans la cuisine, n'allez pas croire ce que tu m'as fait. Il y a quoi? Il a fait quoi? Il n'y a rien. Yeti, là, non. Vous n'allez pas croire. Yeti, ils ont dit que ma pied est destinée. Il y a des solutions ou bien. Il y a quoi? Donc, ton sommeil est mieux que ma santé. Oui, c'est mieux. Mais quand je dis mince, c'est déjà bon aussi. L'argent est plus. Sinon, c'est mon poisson qui est gâté. Hey! Maman, tu peux me dire ça? Attends, d'avoir ma nourriture en jeu. Maman, tu dis quoi? J'ai dit, moi, à cause de poisson gâté, mon sommeil est gâté comme ça. Ouais, je vais manger. Je vais manger quoi, matin? Là? Merci. J'aime tous mes talents de fleureuse professionnelle. Merci, bonsoir famille. À quoi va? Le poisson qui a gâté. Ça a été la mienne. Alors vous avez fini d'applaudir. Bon, moi je sais une chose, c'est que la mamie est restée avec moi, donc je vais faire la sauce après. Avec le poisson gâté. Avec le poisson gâté. Vous savez, avec le poisson gâté, on peut faire deux vins. Donc rien ne se perd, tout se transforme. C'est ce que nous ont dit les physiciens. On applaudit encore la troupe théâtrale du Mésamti, dirigée par Kwaku Marlène. Vous allez avoir l'occasion de savoir qui est Kwaku Marlène tout à l'heure. Mais avant, nous allons demander à la grande chorale de Bethel. La grande chorale de Bethel. Vous voyez que je dis ça avec beaucoup de sérieux. La grande chorale de Bethel. Qui va prendre place derrière moi. Pour nous gratifier de trois cantiques spéciaux. J'ai remarqué une chose depuis que je suis arrivé ici, c'est que nous sommes devenus très avares en applaudissements. Avant, je sais que j'ai menti alors. Vous m'avez fait mentir. Merci de me faire mentir. Voilà, le maestro est en train de donner des directives. Quand on est content, on applaudit, d'accord? Tout à l'heure, quand les jeunes filles... Ah bon, quand la troupe, parce qu'il y a un homme parmi eux, quand la troupe restait, je sais qu'à un moment, vous étiez tous captivés. Mais quand on est captivé, on applaudit, d'accord? Voilà, on applaudit et on encourage ceux qui sont venus de prester. Thank you.
Thank you.
C'est juste le début du commencement. On va demander, le caméraman dit que c'est un peu sombre en dessous de la bâche. Vous n'avez pas cru que j'allais diminuer l'éclat du soleil. Voilà, j'ai éteint le soleil. Donc nous allons demander à 6 jeunes de se mettre sur chaque poteau. Nous allons déplacer la bâche vers le fond pour permettre à ce qui va suivre d'être vu et d'être bien vu. Et ce qui va suivre immédiatement
après le déplacement de la bâche, Pablo, il faut veiller sur les fils de ton côté. Ça sera un mot qui nous sera donné par notre pasteur Bali Sassa. Nous sommes réunis, nous écoutons de belles chansons, nous avons vu de belles prestations de nos frères, de nos sœurs. Nous allons entendre Dieu nous parler. Juste un moment. Parce que c'est important d'écouter ce que Dieu a réservé pour nous en ce soir. Mais après lui, nous allons continuer avec la musique. Parce que nous sommes venus à un concert. Le temps que... Voilà. Les techniciens sont en train de... Faites en sorte de ne rien gâter pour ne pas que nous puissions reprendre tout à zéro. Pendant ce temps, nous n'allons pas rester comme ça. Nous allons vivre aussi un peu. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. C'est à cause de la musique de changer. Tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Il me dit de le suivre, suivons-le. Il me dit de le suivre, suivons-le. Donc chantons en jouant, chantons, chantons en jouant. Nous chantons en jouant avec la musique. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Si tu as la joie au cœur, dis amen. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis amen. Si tu as la joie au cœur, dis les deux. Tapez les mains et amen. Si tu as la joie au cœur, faites les deux. Amen. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, fais les deux. Merci. Chantez avec la musique, hein. Chantez avec la musique, on reprend. Oh, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, est si bon. Si il n'y a pas de solution, enlevez la bâche. Enlevez la bâche. Enlevez la bâche. Enlevez la bâche. Et puis c'est tout. Enlevez la bâche. Et puis c'est tout. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. À la cani, à la cani, à la cani. À la cani, à cani, les mains. N'y a rien qui va, n'y a rien qui va. N'y a rien qui va, n'y a rien qui va. N'y a rien qui va, les mains. N'y a rien qui va. Bien ti ba, na bien ti ba, na bien ti ba, na
La go pale. Dieu est si bon pour moi. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. On s'applaudit nous-mêmes. Parce qu'on est bon. On est bon et nous sommes des fidèles d'un Dieu qui est tout puissant. Nous allons donc maintenant. Le technicien me dit que c'est bon, on peut voir, on voit. Ça va, c'est mieux. Ben, c'est toi qui nous dis. Voilà. C'est bon, on me voit ici. C'est bon, d'accord. Est-ce que le frère Soro est là? Soro Joël est là? Ok, il est là. D'accord, nous allons donner maintenant la parole au pasteur Bali Sassa qui va nous entretenir pendant 10 minutes. Pasteur, vous avez le micro. Oh, Pablo, est-ce qu'on peut ouvrir ce micro? S'il vous plaît, on arrête la musique. Concentration maximum. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je remercie l'Éternel des armées pour cette occasion qui m'est offerte pour partager un petit mot de l'Éternel. Alors, et si on changeait, je mettais le baladeur à la place du micro. Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. C'est bon? S'il vous plaît, mettre ça sous forme de baladeur. Ok. Alors, ce court message sera intitulé Les possibilités divines contre les impossibilités du monde. Les possibilités divines contre les impossibilités du monde. Et je lis le texte parti du livre de Luc, chapitre 18, verset 27. Et la Bible dit, c'est Jésus qui parle ici, et il dit... Jésus dit alors, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Mes chers amis, ce soir, nous sommes très contents d'avoir rejoint nos amis qui nous ont invités. J'ai souvent du mal à accepter certaines définitions qu'on utilise pour décrire ses frères et sœurs, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Selon la définition et la classification mondiale, il y a environ 1 million ou 1 milliard 300 millions de personnes souffrant d'un handicap important dans le monde. 1 milliard 300 millions. La Côte d'Ivoire, elle seule, compterait plus de 1,5 million de ces personnes classifiées comme ayant des difficultés de quelque sorte. Mais nous savons que les handicapés auxquels se confronte l'humanité, les handicaps, je dois dire, ne se limitent pas à ce que le monde appelle handicap. Beaucoup d'autres formes d'handicap privent l'être humain de joie et de satisfaction
dans la vie. Du point de vue de la parole de Dieu, chaque humain a des limitations et des handicaps à cause du péché originel de désobéissance de nos parents. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que nous tous avons péché. » Alors, mes chers amis, ce soir, il me semble qu'il ne suffit plus d'avoir des jambes, d'avoir des mains, des yeux, des oreilles et d'autres parties du corps pour être heureux et pour réussir dans la vie. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 nous dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » En fait, mes chers amis, ce soir, alors que nous nous entretenons avec nos chers frères et ceux qui nous ont invités, nous vivons dans un monde absurde et paradoxal. Ceux qui trouvent, par exemple, des partenaires de vie ne sont pas nécessairement les plus belles femmes et les plus beaux hommes. Les gens les plus heureux dans le mariage ne sont pas nécessairement les femmes et les hommes les plus pieux et les plus religieux. Les enfants les plus heureux et les meilleurs ne sont pas nécessairement ceux dont les parents se prétendent hommes et femmes de Dieu. Les personnes les plus riches dans le monde ne sont pas nécessairement les plus instruites. Les hommes et les femmes les plus handicapés du monde ne sont pas nécessairement les personnes les plus pauvres et les moins fortunés. Les enfants des familles les plus riches ne sont pas toujours ceux qui réussissent le mieux au monde. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui n'étaient pas les plus prometteurs durant leurs années d'enfance. Les personnes les plus en bonne santé aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles qui vivront longtemps. Écoutons, mes chers amis, ce que la Bible révèle dans Romains chapitre 8, verset 22 au 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Mes chers amis, ce soir, je vous révèle et vous déclare qu'on ne veuille pas, nous sommes tous handicapés en quelque sorte. Autrement dit, chacun de nous souffre d'une forme ou d'une autre de handicap. Certains souffrent d'handicap physique, d'autres souffrent d'handicap psychologique ou psychique, d'autres handicap sensoriel, comme nos amis qui sont ici, et d'autres souffrent même d'une combinaison de ces formes de handicap. En effet, le monde des impossibilités et des handicaps est multiforme et multidimensionnel. Mais si cela est le cas, mes chers amis, et que certaines de ces personnes handicapées arrivent à réussir, comme vous l'avez vu ce soir parmi nos jeunes, ils réussissent dans la vie malgré leur handicap, des fois très grave, c'est qu'ils ont découvert un secret. Ils ont découvert un seul type d'handicap qui peut leur empêcher de réussir dans la vie et font tout ce qui est possible pour éviter ce genre d'handicap. Et je vous déclare ce soir, mes chers amis, que le seul handicap qui nous empêchera d'atteindre l'objectif de notre vie est ce genre d'handicap spirituel. La déconnexion de la puissance de Dieu qui est la source de la vie et des possibilités. Sans un lien fort, une connexion très forte avec Dieu, nos soi-disant avantages et privilèges, et talents, dons et aptitudes
se transformeront en désavantages et malédictions et même misères. Si nous restons connectés au ciel, par contre, Dieu nous rassure d'un succès irrévocable de notre vie. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 10, voici ce que l'Éternel des armées nous dit. Mes chers amis, quelles que soient les conditions de notre vie, il dit, ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront détruits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, mes chers amis, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. J'entends l'Éternel parler à ces gens que nous appelons handicapés. Il leur dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la baie. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Moi, l'Éternel des armées, te l'a proclamé. Comme la Bible nous le révèle encore une fois en Romains chapitre 8, verset 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous aimez l'Éternel, mes chers amis, quelle que soit la forme d'handicap qui vous trouble, que ce soit physique, que ce soit sensoriel, vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à entendre, vous n'arrivez pas à marcher. La Bible nous dit tous, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour terminer, mes chers amis, permettez-moi de vous rappeler que les gens inutiles, les gens qui sont voués à l'échec, sont seulement ceux qui ne sont pas nés et ceux qui sont maintenant morts. Ce sont les seules personnes qu'on peut compter comme inutile et voué à l'échec. Je termine avec quelques trois exemples ou quatre pour vous dire que les handicaps physiques, psychologiques, sensoriels, sociaux, tout cela ne va pas nous empêcher d'atteindre l'objectif de notre vie. Et ce soir, vous avez vu les jeunes vous démontrer que tout ce qu'on pense de ces gens n'a pas de sens dans leur vie. Je peux vous parler de cet homme célèbre de par le monde, Andrea Bocelli. C'est un homme qui est né aveugle, mais c'est un homme qui a transformé le monde à travers sa musique. C'est un des célébrités de ce monde. C'est un homme qui peut financer même nos gouvernements. Il n'a rien vu dans sa vie, mais il est connecté avec l'Éternel des armées. Je vais vous parler de cette dame, l'Américaine Marley Martin, une actrice extrêmement douée. Elle n'entend rien du tout, mais elle joue dans les films les plus consommés au monde. C'est une milliardaire. Chers amis, que personne ne vous dise votre handicap va vous empêcher d'atteindre votre objectif. Je peux vous parler de son frère Aaron Fotheringham. C'est aussi un grand Américain. Il n'a pas de jambes,
Mais c'est un jeune qui s'est lancé dans le cyclisme sans jambes. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Mes chers amis, si vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé et c'est Dieu qui a permis que vous soyez dans quelque situation que ce soit, il est prêt à démontrer au monde entier que c'est sa puissance qui compte. Vous connaissez peut-être tous ce jeune homme de l'Australie, Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras, sans jambes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un prédicateur dans le monde qui est aussi influent que ce jeune homme, qui n'a ni bras ni jambes? Que personne ne vous dise, vous ne valez rien. Que personne ne vous juge sur l'handicap. Après tout, tout le monde est handicapé ici. Il y en a même qui ont des handicaps qu'on ne peut décrire. Il y a des gens qui ont des handicaps spirituels et ils ne sont pas connectés avec l'Éternel des armées. Mais qui ne connaît pas cette femme? Fanny Crosby, c'est le dernier exemple que je vous donne. Cette fille qui est née complètement aveugle. À ce moment où je vous parle, la recherche nous dit qu'avant sa mort, elle avait composé plus de 8000 hymnes. On ne peut pas parler des chansons patriotiques qu'elle avait composées. C'est une femme qui a influencé tellement la société que jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Elle n'a jamais ouvert ses yeux dans sa vie. Mes chers amis, je termine donc en vous disant, tout dépend de notre connexion avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'éternel des armées. Effectivement, certains d'entre nous ont le privilège d'avoir des yeux capables de voir. Mais ce qu'ils choisissent de voir leur apporte des malédictions. Certains d'entre nous ont des jambes pour se déplacer, mais ce qu'ils font quand ils se déplacent est précisément ce qui les tuera. Mes chers amis, certains d'entre nous qui se disent non handicapés, ils ont des mains pour faire beaucoup de choses, mais leur vie est exposée à la mort à cause de ce qu'ils choisissent de toucher et de faire. Je peux vous dire que certains d'entre nous ont des oreilles pour entendre, mais ils perdront la vie à cause de ce qu'ils choisissent d'écouter. Certains d'entre nous qui regardent les soi-disant handicapés et ils disent que ces gens sont malheureux. Ces personnes, il y en a qui ont une beauté physique exceptionnelle, mais de façon, la façon dont ils gèrent cette beauté est ce qui les amènera en enfer. Certaines personnes disposent de beaucoup de ressources matérielles, mais le mode de vie extravagant qu'ils adoptent les conduira un jour au chagrin et à la mort. Mes chers amis, par contre, certains n'ont pas Dieu pour voir, mais leur vie est plus fructueuse que celle de ceux qui ont les yeux ouverts. Certaines personnes n'ont pas de jambes, d'autres n'ont pas de mains, d'autres n'ont ni jambes ni mains, mais la valeur de leur vie et leur contribution à la société et au monde entier est exceptionnelle. Certains n'ont pas d'oreilles pour recevoir les sons, mais leur message en langage ou en langue de signes transforme des centaines de personnes dans ce monde. Certains n'ont même pas de beauté physique exceptionnelle, mais ils sont les plus aimés et ils ont des familles les plus heureuses au monde. Je termine en lisant ceci. Certains sont matériellement pauvres, mais ils dorment profondément et tranquillement, et ils sourient sans réserve, et ils vivent heureux. Le Dieu Tout-Puissant, qui a permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, est capable de nous utiliser puissamment tels que nous sommes. Rappelons-nous donc tout simplement que sans Dieu, que nous soyons classifiés comme handicapés ou non handicapés, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de précieux et de durable. Mais par contre, avec Dieu, même si on est classifié comme handicapé, toutes les bonnes choses et grandes choses dans ce monde sont possibles dans nos vies. Je vous pose cette question pour aller m'asseoir. Saviez-vous que chacun d'entre nous est handicapé? Êtes-vous connecté à Dieu? Lui qui est la source des possibilités au milieu des impossibilités de ce monde. Examinons-nous. Au lieu de nous mettre à nous réjouir du fait que
Nous n'avons pas perdu notre vue. Nous avons des jambes, nous avons des mains. Et au lieu de regarder les soi-disant handicapés avec un regard hautain, examinons-nous. Nous sommes tous, en quelque sorte, handicapés. Et mes chers amis qui pensaient, qui êtes classifiés comme handicapés, vous vous êtes vus ici. L'Éternel est avec vous. Rien ne va vous arrêter. Vous pouvez atteindre n'importe quel sommet de n'importe quelle montagne. Si seulement vous restez connecté avec l'Éternel des armées, merci et que Dieu vous bénisse. Vous applaudissez comme si vous n'avez pas été content.